tel qu'instauré par le président de l'Assemblée nationale pour qui la reddition de comptes est un principe fondamental de bonne gouvernance. Cette rencontre avec vous, chers professionnels des médias, s'inscrit dans le cadre de nos rencontres périodiques consacrées donc au bilan des activités du président de l'Assemblée nationale, voire de toute l'institution parlementaire toute entière. Nos échanges de cet après-midi porteront essentiellement sur les points suivants. La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2023 et les perspectives du président de l'Assemblée nationale. Dans un premier temps, on parlera donc de l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2023. Il faut dire que c'est en application des dispositions de l'article 87 de la Constitution de notre cher et beau pays, le Bénin, reprise par l'article 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que le président Louis Gbeounou Vlavonou a présidé le 31 octobre dernier la cérémonie d'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de l'année 2023. Comme vous le savez, l'examen et l'adoption du projet de loi de finances gestion 2024 occupera une part substantielle de cette session. Il n'est certainement pas nécessaire de rappeler aux journalistes spécialistes des questions parlementaires que vous êtes que l'adoption de la dite loi est une prérogative constitutionnelle majeure réservée au Parlement. C'est pourquoi, tout en reconnaissant à la représentation nationale son droit d'amendement tel que prévu et encadré par les dispositions de la Constitution du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le président Louis Gbeounou Vlavonou a rappelé dans son discours prononcé à l'ouverture solennelle de la présente session toutes les dispositions qui sont prises pour un examen et une adoption sans heurts du projet de loi de finances pour la gestion 2024. En dehors donc du projet de loi de finances pour la gestion 2024 et le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, plusieurs autres points sont inscrits à l'ordre du jour pour être examinés par les honorables députés à l'Assemblée nationale. On peut citer, entre autres, la proposition de loi spéciale portant amnistie et ou abandon de poursuites judiciaires au profit de personnalités politiques pour des faits criminels. Le projet de loi portant création des ordres nationaux du Bénin. Le projet de loi de règlement pour la gestion 2021. Le projet de loi relatif à l'alimentation scolaire en République du Bénin. Le projet de loi relatif aux travaux d'intérêt légal en République du Bénin. Le projet de loi modifiant la loi numéro 2016-24 du 28 juin 2017 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin. Le projet de loi portant modification de la loi 2004-23 du 25 mars 2005 portant régime juridique et fiscal harmonisé applicable au projet du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest en République du Bénin. Le projet de loi relatif aux infractions boursières sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Le projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin. Le projet de loi portant loi organique sur le Conseil économique et social. Le projet de loi portant loi cadre sur la planification du développement et l'évolution des politiques publiques en République du Bénin.
Le projet de loi portant définition et répression de l'usure en République du Bénin. Le projet de loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. Le projet de loi relatif à l'activité d'affacturage en République du Bénin. Le bilan d'activité et la situation financière exercice 2022 de la Caisse des dépôts et de consignations du Bénin. Le projet de loi portant autorisation d'adhésion au protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté à New York le 10 décembre 2008. Le projet de loi portant autorisation de ratification de la convention entre le gouvernement de la République du Bénin et le gouvernement des Émirats arabes unis en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signé à Abu Dhabi le 4 mars 2013. Le projet de loi portant autorisation de ratification de la convention entre le gouvernement de la République du Bénin et le gouvernement de la République du Rwanda en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale signé le 15 avril à Cotonou. Le projet de loi portant autorisation d'adhésion à l'acte de 1991 de la Convention internationale de la protection des obtentions végétales adoptée à Genève le 19 mars 1991. Le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de coopération du 21 décembre entre les gouvernements des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine et le gouvernement de la République française. Le projet de loi portant autorisation de ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, adoptée à Malabo le 27 juin 2014. Le projet de loi portant autorisation de ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine des télécommunications, adoptée respectivement en Afrique du Sud le 7 décembre 1999, et à Zimbabwe le 10 juillet 2014. Le projet de loi portant autorisation d'adhésion à la Convention sur la cybercriminalité, adopté à Budapest le 23 novembre 2001, au protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, adopté à Strasbourg le 28 janvier 2003 et au deuxième protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif au renforcement de la coopération et de la divulgation de preuves électroniques, adopté à Strasbourg le 12 mai 2022. Le projet de loi portant autorisation de ratification de l'annexe 2 des statuts du Fonds Africa 50 du groupe de la Banque africaine de développement. Le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord cadre signé à Cotonou avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique dans le cadre de la protection des investissements en République du Bénin. La proposition de résolution portant code d'éthique et de déontologie des députés béninois. Le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord établissant l'Alliance Smart Africa. Il faut dire que plusieurs autres dossiers sont inscrits à l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Chers amis professionnels des médias, il ne me paraît pas superflu
de rappeler qu'à l'issue de la cérémonie d'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de l'année 2023, les députés de la 9e législature ont été reçus dans divers grades de l'Ordre national du Bénin conformément au décret 2023-4408 du 4 septembre 2023 portant nomination à titre exceptionnel et civil dans l'Ordre national du Bénin des membres de l'Assemblée nationale 9e législature. La cérémonie de remise de cette distinction a été co-présidée par le vice-grand chancelier de l'Ordre national du Bénin, M. Falilou Akadiri, et le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbeounou Blavonou, grand croix de l'Ordre national du Bénin. Abordons à présent les perspectives du président de l'Assemblée nationale. Chers amis, en procédant à l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de l'année 2023, le président Louis Gbeounou Blavonou est revenu sur plusieurs aspects de sa vision en lien avec le contexte sociopolitique qui prévaut actuellement au Bénin et dans la sous-région. Ces grandes lignes du discours du président de l'Assemblée nationale s'apparentent à ses priorités programmatiques et elles méritent qu'on s'y attarde. Elles sont relatives notamment au respect mutuel. Pour la bonne marche de l'activité parlementaire, le président Louis Gbeounou Blavonou pose comme règle d'or le respect mutuel. Il l'a martelé tant à l'occasion de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2023 qu'à l'occasion de la présentation de son rapport d'activité. Le respect étant la pierre angulaire d'une société où il fait bon vivre, le président de l'Assemblée nationale souhaiterait que ses collègues de la 9e législature en tiennent compte pour le temps qu'ils ont à passer ensemble au service de la vitalité de la démocratie béninoise. Là-dessus, je voudrais citer un extrait du discours du président Louis Gbeounou Blavonou. Je cite. Il est au fondement de la vie démocratique. Le respect s'incarne aussi dans des institutions qui le médiatisent et le concrétisent à l'échelle de la société. Ces institutions sont elles-mêmes à respecter pour le service qu'elles accomplissent. Mais elles appellent plus encore à respecter la reconnaissance et la volonté de vivre ensemble qui les fondent. L'autre aspect abordé par le président de l'Assemblée nationale à l'occasion donc de l'ouverture de la deuxième session ordinaire, c'est bien l'activité parlementaire. Vous le savez, la 9e législature est une législature de transition avec une durée de vie un peu plus courte que d'ordinaire. Le président de l'Assemblée nationale voudrait donc appuyer un peu plus fort sur l'accélérateur en vue de l'atteinte de meilleurs résultats. Et pour y arriver, il espère pouvoir compter sur l'endurance et le sens de sacrifice de ses collègues députés en vue donc de l'exécution d'un agenda qu'il annonce déjà très chargé. Au regard du nombre de dossiers en instance d'examen. Dans le cadre du contrôle de l'action parlementaire du gouvernement, le président Louis Gbeounou Blavonou a également exprimé son espoir de pouvoir compter sur la disponibilité du gouvernement, notamment des ministres concernés par les différents dossiers inscrits au rôle. Comme pour joindre l'acte à la parole, vous avez dû observer que les séances plénières des jeudis consacrées à cette activité ont repris avec un chapelet de questions diverses sur lesquelles le gouvernement vient plancher ici à l'Assemblée nationale.
Il y a également le chantier de construction du siège de l'Assemblée nationale qui intéresse, sinon qui préoccupe le président de l'Assemblée nationale. Le mercredi 8 octobre dernier, le président de l'Assemblée nationale a effectué une descente sur le chantier de construction du siège de l'Assemblée nationale. Il était accompagné pour la circonstance du premier questeur Labu Amadou Djibril et plusieurs cadres de l'administration parlementaire. Le président Luc Beounou Vlavounou est donc allé s'enquérir non seulement du niveau d'avancement des travaux, mais également de la mise en œuvre de ses recommandations à l'occasion de sa précédente visite. Il ressort de la dite descente que les travaux physiques sont exécutés globalement à 70%, tandis que les travaux de construction du bâtiment principal sont exécutés à 75%. À l'issue de sa visite, le président de l'Assemblée nationale a tenu une séance de travail avec les responsables de l'entreprise en charge des travaux, au cours de laquelle il a réitéré avec fermeté son souhait de voir les députés de la 9e législature rejoindre le nouveau siège avant la fin de leur mandat. L'autre sujet qui pourrait retenir l'attention, c'est bien la problématique population-développement. Pour le président Louis Beounou Vlavounou, la solennité que revêt l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2023 sied à l'évocation de certains grands sujets soumis à la réflexion collective tels que la problématique population-développement. Le président de l'Assemblée nationale fait un croisement entre la vision des partisans de l'économiste britannique Thomas Malthus, dont la doctrine prône la restriction démographique par la réduction de la natalité, et celle des adeptes de Gilbert Baldon, qui démontre que la pression démographique ne constitue pas un obstacle au développement de la production, que les meilleurs résultats dans le processus de développement sont acquis par l'accomplissement de la population active et de la productivité. Le président Louis Beounou Vlavounou en tire comme résultat que la paternité responsable reste la meilleure option. J'ai bien dit la paternité responsable, à ne pas confondre avec la parentalité responsable. Dans le langage onusien, qui dit parenté responsable dit contraception. Or, la contraception évite temporairement ou définitivement la fécondation. La notion de paternité responsable que suggère ici le président de l'Assemblée nationale renvoie plutôt aux méthodes naturelles de régulation des naissances, telles que les MAO, entendez méthodes d'auto-évaluation. L'une de ces méthodes les plus connues, c'est la méthode Bellings, qui prône l'observation de la glaire cervicale. En thème clair, le président de l'Assemblée nationale recommande donc de faire le nombre d'enfants que l'on peut supporter pour le bien-être de nos familles respectives. Parlons à présent du terrorisme qui est une autre préoccupation du président de l'Assemblée nationale. Quand votre maison brûle, vous ne,
pouvez pas vous permettre de regarder ailleurs. Telle est la certitude martelée par le président de l'Assemblée nationale qui s'est montré très préoccupé par les difficultés que traverse la sous-région ouest-africaine en relation avec la montée du terrorisme au cours de ces dernières années. Comme il le disait déjà à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de la République soeur du Niger, c'était le lundi 27 septembre 2021, le président Louis Gbenou Blavonou propose l'établissement d'une étroite collaboration entre tous les États concernés pour pouvoir mener efficacement la lutte contre ce fléau qui est et qui doit demeurer la priorité des priorités. La principale leçon à tirer de cette expérience, c'est que le salut sera collectif ou ne sera pas. Car tant que le terrorisme survivra, dans l'un quelconque des pays de la sous-région, les autres seront constamment sous la menace de la contagion. C'est une citation du président Louis Gbenou Blavonou. Chers amis acteurs des médias, en conclusion, je vous dirais qu'il ne nous a pas paru nécessaire de revenir sur le bilan de la première session ordinaire ainsi que sur les deux sessions extraordinaires tenues cette année, puisque le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale l'a déjà retracé tout dernièrement. Vous convenez donc avec moi que cette synthèse n'a nullement la vocation de présenter un bilan exhaustif des activités du président de l'Assemblée nationale. Vous avez certainement compris qu'il est question ici d'appeler votre attention sur quelques actions et visions du président de l'Assemblée nationale, dont l'ambition de faire du Parlement béninois une institution moderne au service du développement et de la démocratie se matérialise déjà progressivement. Je terminerai en vous faisant le pari suivant. D'ici la fin de la 9e législature, soit dans 2 ans. Nous tous, réunis ici dans cette salle, chaque député pris individuellement, quel que soit son bord politique, et même le commun des Béninois, nous tous, nous témoignerons de notre fierté d'avoir élu à la tête du Parlement béninois un grand commis de l'État. Quelqu'un qui aura tout donné, y compris lui-même, pour le succès et pour le rayonnement de notre institution commune. Puisse Dieu le Père Céleste, par son Esprit Saint, nous accorder la grâce de vie.